sextoys peuvent-ils nuire aux relations sexuelles? Bah, je pense, alors je ne pense pas du tout. Au contraire, alors je pense que tu dis relation peut-être dans le sens où à deux ou en compétition peut-être. J'ai l'impression qu'on croit encore que le sextoy va être en compétition par rapport à là ou au partenaire, alors que pas du tout en fait. Vraiment pour moi déjà, ça peut s'utiliser à deux, et c'est ça qui est hyper cool, c'est que ça permet de connaître des sensations et des scénarios et des nouveaux trucs qu'on connaît peut-être pas, parce qu'il en existe vraiment, mais une flopée, c'est assez incroyable. Et au contraire, en fait, encore une fois, il y a vraiment un aspect où y a la sexualité en solo, c'est tout aussi important, mais ça se démarque vraiment de la sexualité à deux, en fait. Ça s'imbrique et ça se démarque en même temps. Et du coup, de manière générale, même la masturbation en solo, pour moi, c'est pas quelque chose qui va nuire à sa sexualité à deux, en fait. C'est vraiment des choses qui sont complémentaires parce que peut-être qu'avec un sextoy, tu vas réussir enfin à avoir tel ou tel orgasme et que tu auras ressenti ça parce que tu auras été super décontracté, tu n'auras pas pensé à Thaïs, tu n'auras pas dit « Oh, attends, est-ce que je lui plais quand je suis dans cette position? » Et tu auras eu ton sextoy et tu auras réussi et tu pourras en parler après. Donc vraiment, au contraire... Il y a moyen avec les sextoys d'enrichir sa relation, qu'elle soit de soi à soi-même, que ta relation avec ton ou ta partenaire. Après, je pense que comme tout, en fait, ça dépend de comment on utilise ça, ça dépend de ce qu'on communique, en fait. Si, par exemple, tu n'arrives pas à communiquer à la personne en face que... Ok, j'aimerais bien que tu t'y prennes autrement en fait pour stimuler ma zone G, mais en fait tu lui dis pas du tout et en fait après tu le dégages, hop, et tu prends juste ton sextoy pour aller te faire kiffer. Peut-être que là, voilà, mais est-ce que c'est le sextoy le problème? Non, je pense que c'est la communication. Donc vraiment pour moi, au contraire, c'est sans en abuser, si tu en as envie, je n'es pas obligé d'avoir un sextoy non plus. Je pense que ça peut être des outils vraiment, vraiment très intéressants. Alors, la seconde question nous vient de Mathurin. Quel est le meilleur moyen pour redécouvrir sa sexualité avec sa partenaire après plusieurs années de vie commune? C'est une bonne question. Alors, vous avez 2 heures. Si je pouvais avoir 2 heures pour parler de ça. Je pense que ce qui peut être intéressant, ça peut être de revoir ce qu'on entend par c'est quoi la sexualité. Moi, le moment où j'ai eu un peu un regain, j'ai eu un peu une vision différente, c'est quand j'ai plus vu la sexualité comme juste la rencontre de corps, mais vraiment comme la relation que j'avais au plaisir. De manière générale, comme ma sensorialité, donc c'est vraiment le rapport à mes sens, comme mon lâcher prise, le moment présent, vraiment revoir en fait ce que ça veut dire faire l'amour, revoir ce que ça veut dire baiser, revoir ce que ça veut dire les dynamiques de domination, de soumission, les polarités, en fait le rôle dans la sexualité, revoir c'est quoi un orgasme, explorer ce que ça veut dire un orgasme, comme j'ai dit tout à l'heure, orgasme et jouissance, c'est pas nécessairement la même chose. Explorer son corps, peut-être que s'il y a des parties de son corps qu'on n'est pas encore allé voir, voilà. Et sinon, ne pas hésiter en fait justement à aller sur ce formidable outil qu'est Internet et d'aller voir tout ce qui existe en termes de sexualité, que ce soit du côté très BDSM où il y a des pratiques qui peuvent paraître extrêmes et d'autres qui en fait sont vraiment, c'est des choses qui, ça s'adapte. On peut tout adapter à sa sauce. Que tu peux aller voir aussi le domaine du tantra, qui va être quelque chose de beaucoup plus en lien avec la spiritualité, que tu peux aller t'intéresser à d'autres kinks et fantasmes. Voilà. Donc, je dirais, voilà, se poser, revoir c'est quoi son rapport à la sexualité, revoir c'est quoi pour soi la sexualité, et essayer d'élargir en fait ça à autre chose que voilà, une pénétration et un corps et des corps qui se rencontrent. Moi, perso, ça a été quelque chose, autant en fait, j'ai fait ça avec moi-même et avec d'autres partenaires, et vraiment ça a donné une autre couleur à ma sexualité. Alors, nous avons une troisième question qui nous vient de Valentine. Elle nous dit, il y a beaucoup de contes qui permettent la libération de la parole sur la sexualité des femmes, mais il en existe très peu sur la sexualité des hommes. Savez-vous pourquoi? Tout simplement, je vais le dire, les hommes prennent pas la parole. Je ne sais pas pourquoi. Les hommes ont beaucoup de mal à parler de sexualité. C'est compliqué de se poser et de publiquement, même pas publiquement, même en privé, j'ai l'impression que c'est hyper tabou. Les femmes ont plus de facilité à juste parler, en fait. Je pense qu'on attend un peu des femmes qui prennent la parole de parler pour et au nom des hommes aussi.
Mais je pense pas que ce soit notre rôle, en fait. Je pense que vraiment, il y a quelque chose qui va changer le jour où un homme ou des hommes parleront aux hommes. Parce qu'à ce moment-là, on pourra s'identifier. Car, parce qu'à ce moment-là, on pourra... Oui, Amina qui dit qu'il y a une émission sur YouTube, qui c'est entre mecs, je crois, un truc comme ça. Et c'est des hommes qui sont autour d'une table et qui discutent de ça, justement. Mais oui, clairement, la sexualité, ça touche à l'ego, ça touche à ce concept de virilité, ça touche à la performance, et d'aller discuter au-delà de ça, ça peut mettre mal à l'aise. Mais j'attends avec impatience le jour où il y aura autant de comptes d'hommes, de tout, encore une fois, genre et de tout milieu social et de toute préférence, quoi que ce soit, qui parleront de sexualité. Franchement, je pense que là, il y aura un grand pas qui sera fait. Alors, nous avons une nouvelle question de Diane qui vous demande à quoi ressemblent les DM de Merci Beaucoup. Alors, à quoi ressemble les DM? Si je dois vraiment essayer de tout résumer en une phrase, c'est vraiment, est-ce que je suis normale? J'ai des douleurs, est-ce que c'est normal? J'ai pas envie de faire ça, est-ce que c'est normal? À cet endroit-là, je ressemble à ça, est-ce que c'est normal? J'ai pas d'orgasme, j'ai des orgasmes trop rapidement, j'ai... Au secours, est-ce que c'est normal? Comment faire? Mon Dieu, rassure-moi, s'il te plaît. Voilà, c'est un peu ça les DM. Après, c'est beaucoup de partage d'expérience, en fait, tout simplement. Je pose aussi beaucoup de questions parce qu'encore une fois, moi, je ne détiens pas du tout, mais alors pas du tout, ni la vérité, ni la connaissance absolue sur ce domaine qu'est la sexualité parce que c'est tellement vaste. Et encore une fois, c'est selon les expériences de chacun qu'on se pose des différentes questions, selon les difficultés, les échecs qu'on rencontre, bah, on ne va pas prendre le même chemin. Donc voilà, beaucoup de partage en fait d'expérience, beaucoup de questions sur la première fois aussi. C'est vrai que j'ai beaucoup de personnes de moins de qui ont un peu entre 15 et 18 ans qui me demandent au secours, j'ai ma première fois, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Mais vraiment, sinon c'est beaucoup d'amour, beaucoup de rire et beaucoup de mèmes aussi. On sera beaucoup de mèmes dans les DM de Merci beaucoup, donc c'est cool. Mais voilà, je pense que c'est surtout ça, un besoin de parler, un besoin d'être rassuré, d'être entendu. Et voilà, il se passe plein de choses. Dans mes DM, honnêtement, il se passe beaucoup de choses. Alors, nous avons une nouvelle question d'Alice qui vous demande, pensez-vous qu'un jour, on arrêtera de dire qu'un homme a le droit de coucher à droite et à gauche, mais une femme non? J'espère, oui, j'ai envie. En fait, encore une fois, là, il me faudrait 1 000 ans pour en parler, mais. En tout cas, encore une fois, moi dans ma bulle Instagram, il y a des choses qui se passent. Et clairement, c'est plus une réflexion qu'on a. On est en train de comprendre à quel point ça ne veut rien dire, absolument rien dire ce genre de phrase. On ne parle plus du tout de performance, on ne parle plus de nombre, on ne parle plus de tout ça. Maintenant, encore une fois, c'est une bulle Instagram. Je pense que ce n'est pas nécessairement le reflet de la réalité. Même si on parle de. Moi je suis qu'à. J'ai 130 000 personnes, mais il y a des comptes qui sont à 500 000, 300 000. Enfin, vraiment, il commence à y avoir des gros chiffres autour de ça. Ça reste une bulle. Ça reste une bulle et ça reste des questions. Peut-être que les gens bah, vont s'intéresser pour une question et pas autre chose. Donc, je ne sais pas exactement quelle est la mentalité des gens par rapport à ça. Mais j'ose espérer que oui. J'ose espérer que. On va se diriger vers une société où les gens célébreront le fait d'avoir tant ou peu de rapports à partir du moment où c'est consenti, c'est voulu et que c'est fait dans le plaisir. J'espère qu'on se posera plus ces questions d'hommes, femmes et tout ce qu'il y a entre et en dehors. Merci beaucoup Léa d'avoir répondu à nos questions avec autant de franchise. C'était hyper intéressant. Merci. Est-ce que vous, s'il y a le temps pour d'autres, moi c'est avec plaisir, hein, ce que je préfère faire, mais si on doit couper, bah, venez dans mes DM, je réponds à vos questions. Voilà. Il nous reste un petit peu de temps. Peut-être une dernière question pour Catherine qui n'avait pas eu le temps tout à l'heure de répondre à toutes les questions. Donc je vais regarder. Alors, est-ce qu'on avait. Alors, il y avait une question de Mathurin tout à l'heure, encore lui, qui pour Catherine, du coup, y a-t-il un danger de se perdre dans son épanouissement lorsque l'on multiplie les partenaires sexuels? Alors, en fait, y a pas de, encore une fois, le danger, ça n'est pas une notion morale des choses. On peut avoir envie de goûter à tous les gâteaux de la boulangerie sans qu'on y voie quelque chose
de grave dans la mesure où on se respecte et on respecte chacune des partenaires. Mais le risque, c'est que la multiplication ne soit pas par une compétence à être avec chacun ou chacune, mais une façon de ne jamais s'arrêter, c'est-à-dire de jamais prendre le temps d'épanouir et de découvrir quelque chose, même si ce n'est que pour un soir, mais d'en faire vraiment une histoire. On n'est pas obligé de faire des longues histoires pour qu'elles aient de la valeur, ni pour s'épanouir. On n'a pas besoin que ce soit toujours de longues histoires, mais parfois on est toujours, c'est un peu comme quelqu'un qui vous parle, mais en même temps qui fait autre chose, mais en même temps qui fait autre chose et qui fait autre chose. C'est le meilleur moyen d'avoir toutes les excuses des échecs de la situation. C'est-à-dire qu'on s'arrête et on fait les choses jusqu'au bout de notre possibilité. Et le risque est effectivement de ne jamais s'arrêter, de ne jamais donner de valeur suffisante à l'autre et de ne jamais se confronter à la difficulté que nous on rencontre avec l'autre par la seule démultiplication. Mais sinon, si c'est simplement la morale qui devrait en dire quelque chose, non, on peut démultiplier les partenaires du moment qu'on est en capacité d'être à ces rendez-vous. Eh bien, on ne se fait pas de mal, on ne se perd pas. Merci Catherine. Alors, Victor, bah, du coup, une dernière question pour vous, Léa. Dernière question sera pour vous. Alors, on va remonter un petit peu. Alors, on a une question, somme toute assez banale, mais que beaucoup d'hommes ou de femmes peuvent se poser. Une question de Sofiane qui nous demande comment stimuler la libido de ma copine. Enfin, de sa copine. Aïe, aïe, aïe. La fameuse question de la libido. Honnêtement, je ne vais pas pouvoir te donner de réponse magique là, maintenant, tout de suite. Déjà, comment stimuler ? Je pense que si c'est toi qui essayes tout seul de la stimuler, déjà, ça va être compliqué. C'est un travail à faire à deux, clairement. Y a elle-même son rapport à sa libido. Est-ce qu'elle a envie ? Est-ce qu'elle a besoin ? Comment elle se sent en ce moment ? Et toi, ton rapport à ta libido, ton rapport à la sienne, qu'est-ce que ça, pourquoi tu as absolument besoin de la stimuler, comment tu le fais? Et après, il y a quelque chose qui se fait entre vous deux. Là, je pourrais te donner 1000 façons de stimuler, mais si ça ne lui correspond pas, ça ne marchera pas. Au contraire, ça pourrait même la repousser parce que le truc avec la sexualité, c'est que dès qu'on ressent une pression, mais là, c'est vraiment par rapport à notre corps, c'est vraiment par rapport à des choses très intimes. Ça peut faire tout le contraire. Donc, comment la stimuler ? Vois avec elle, encore une fois, en fait. Comment elle se sent en ce moment ? De quoi est-ce qu'elle a envie ? Est-ce que tu peux la laisser venir vers toi à sa façon ? Si jamais c'était complètement à elle de venir vers toi, comment est-ce qu'elle le ferait ? Vous n'êtes pas obligé de passer... J'imagine que peut-être si tu dis ça, c'est peut-être qu'il y a une différence dans vos désirs et que du coup, il y a peut-être un sentiment de frustration parfois. Mais comment est-ce qu'en fait vous pouvez construire ça à deux et comment est-ce que elle peut sa sexualité avec elle-même, comment est-ce qu'elle a envie d'avoir une libido avec elle-même, est-ce qu'elle a envie de se faire l'amour elle-même, qu'est-ce qu'elle pense de la sexualité, est-ce que c'est plus une tâche à faire et à cocher dans sa to-do list aussi ou est-ce que c'est complètement autre chose. J'ai envie de dire, bah, peut-être avoir une bonne discussion à ce niveau-là et creuser, en fait, comme je disais tout à l'heure, ça veut dire quoi la sexualité ? Voilà, je peux te dire que ça parce que en vrai, la libido, c'est un sujet qui est tellement complexe que ce serait compliqué de. Et puis ce serait complètement. J'ai pas envie de te vendre du rêve et de dire, tiens, t'as juste à faire ça et t'inquiète pas, alors, une libido de rêve, je peux pas te dire qu'acheter un sextoy, ça va rebooster sa libido, en fait. Donc, qu'elle n'hésite pas en fait à trouver des moments pour elle-même ailleurs et pourquoi pas aller justement voir une ou un sexologue, qu'elle se soit en solo ou à deux, ça peut être aussi une manière de lancer la conversation et de juste légitimer l'envie d'avoir une libido et donner le temps, de se donner le temps et les moyens de retrouver sa libido et de la stimuler si on en a envie.